le Christ est vivant. Alléluia, il est parmi nous. Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia, alléluia. C'est lui notre roi, alléluia. C'est lui notre Dieu, alléluia. Il nous a sauvés, il nous a aimés, alléluia, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Allons proclamer. Alléluia, alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Pour tout temps, vive bon Dieu qui
aussi interposé. Fondi vive l'Esprit Saint sous seul, mais papa ensemble avec pitié là. C'est lui qui est chaque jour dans le vrai chemin plein meilleur. Vive mon Dieu qui dans le ciel là, on nous fait fête pour joli bon. Prions le Seigneur. Dieu qui as uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3e, les versets 11 à 26. L'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux, à l'endroit appelé Colonnade de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre s'adressa au peuple. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si nous avions fait marcher cet homme? Par notre puissance ou notre sainteté personnelle, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher. Vous l'aviez rejeté, lui, le saint et le juste, vous l'avez rejeté. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de meurtrier. Lui, le chef des vivants, vous l'avez tué. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi au nom de Jésus. C'est ce nom qui a donné la force à cet homme que vous voyez et que vous connaissez. Oui, la foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme une parfaite santé en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu qui, par la bouche de tous les prophètes, avait annoncé que son Messie souffrirait, accomplissait ainsi sa parole. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu, pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendra de la part du Seigneur le temps du repos. Il enverra Jésus, le Messie, choisi d'avance pour vous. Et il faut que Jésus demeure au ciel jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait annoncé autrefois, par la voix de ses saints prophètes
Moïse a déclaré, le Seigneur votre Dieu fera se lever pour vous, au milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles de ce prophète, il sera éliminé du peuple. Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé eux aussi les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes, les héritiers de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères. Quand il disait à Abraham, en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait se lever son serviteur et il l'a envoyé vous bénir en détournant chacun de vous de ses actions mauvaises. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Nous allons ensemble méditer le psaume 8. Et après chaque paragraphe, nous répétons. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Qu'il vous plaise de vous mettre debout pour accueillir et acclamer l'Évangile. Vivons maintenant, que nos cantons en nous chantent. Alléluia, vivons maintenant. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, alléluia, vivons maintenant, que nos cantons en nous chantent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez,
Un esprit n'a pas de chair ni d'os. Et vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut. C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous toujours, dans l'octave de Pâques, nous avons célébré cette grande fête. Cette solennité, Jean liturgie a qualifié Jésus qui levait bien vivant, Jésus qui crasait la mort. Et résurrection Jésus, c'est un bagage qui est réel, qui est lié. Encore, nous toujours avec disciples et Emmaüs. Le même qui rentrait, qui a partagé avec l'autre, ça qui était vivre sur route là, il a rencontré avec Jésus. Cœur chaud. Après un tel événement, il n'est pas capable de faire pour lui-même. Il n'est pas capable de le partager avec l'autre. Pendant que nous en pleine conversation, le texte là dit nous, Jésus paraît dans le temps. Jésus paraît dans le temps sans que la porte ne l'ouvre. C'est que désormais, avec la résurrection, Jésus vient investir le pouvoir pour que lui vive côté que lui vive. Il est entré tout partout. Jésus qui rive dans le temps, il pral prouve que c'est lui-même. Dans le doute, dans l'étonnement, dans le cœur sauté, Jésus pral paraître devant lui pral dire, gardez, touchez. C'est bien moi-même qui était avec nous. Et Jésus prend le temps pour l'aider à connaître lui-même, découvrir ses lits. Jésus prend aller dire, songez ça que je te dis, songez ça qui t'est déjà écrit de moi-même. C'est la Bible, la parole de Dieu, que Jésus prend le rentrer là-dedans avec eux. Mais qui ça, prophète, yo, déjà livre la loi, yo, dans le psaume, yo t'a parlé. Mais ça qui t'est bien pour arriver, eh bien, c'est moi-même matin, c'est moi-même moment ça qui l'a dans mes temps.
ce Marc Frémio. Nous avons Jésus qui, dans un moment de doute, dans un moment d'incompréhension, dans un moment d'étonnement ça, que monsieur a traversé, lui-même lui fait le proche de lui-même. Dans même tout matin, tout ce Marc Frémio. Il y a un pile de nous qui a traversé ce moment ça. Dans mes temps souffrance, dans mes temps douleur, dans déception la vie, obstacle ça que m'a traversé, épreuve ça que m'a vivre là, maladie ça que m'a porté dans moi-même là que pas joué une guérison pour lui. Est-ce que Jésus-Christ là? Est-ce que vous connaissez même Jésus ça qui te rencontre avec monsieur, qui te fait monsieur ou elle là? Est-ce que il est vrai? Ah, attendez. Qui Jean Jésus lui-même lui pral dit yo? C'est vrai nous étonner, c'est vrai nous troubler. Mais c'est bien de moi-même que Écriture, la Bible, la parole de Dieu, que lui-même t'a parlé. De parler de moi-même qui est pour moi endurer souffrance, moi, pour moi mourir. Et que ce troisième jour, il vient pour me lever bien vivant. C'est Marc Frémio. En quitter Jésus, éduquer. Et Jésus, pour l'éduquer, n'est pas le râler, gros pour le causer. Toute bagaille aurait été dans la Bible. Si nous voulons connaître Jésus qui laisse lié, on fait une proche de parole. On prend un petit temps chaque fois dans la journée pour nous lire la Bible. Fait une proche de parole, mon Dieu. Puisque c'est dans la Bible, nous connaissons qui est Jésus-Christ, tout bon. Et chaque fois que nous prenons pour nous lire la parole, ça, nous demandons, mon Dieu, aidez-nous à l'ouvrir, penser à l'intelligence parole, pour nous connaître qui est lié, tout bon. Et nous toujours joignons un message qui réconforte, un message qui fait connaître qui est Jésus noyé, tout bon vrai pour nous. Et à ceux-là qui font rencontre ça avec Jésus, je que. Salmiste lui-même lui crie, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prêtes de soucis. Le père au final donné, le final donné, et toujours dans la cérémonie de graduation, on a toujours aimé prononcer phrase ça. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, Seigneur? Ces déclarations, il y a un monde qui finit vivre, qui finit traverser un moment d'épreuve, qui finit vivre une situation de douleur, une situation côté que qui t'est exigé, qui t'est demandé, une quantité d'investissement d'énergie. Mon Dieu fait le réussir. Et saisi d'étonnement, il criait, qui s'amounie, mon Dieu, pour que vous-même vous pensez à lui. Qui s'amounie pour que balle toute importance ça, mon Dieu. Au combler, en temps mettez toute bagaille à disposition. Eh bien, nous sommes capables d'ajouter tout. Qui s'amounie pour que nous-mêmes tout, aujourd'hui, nous ayons un privilège ça. Pour nous vivre un moment ça, nous célébrer Jésus qui le veut bien vivant. En pile, grand-parents, nous n'avons pas de privilège ça. Et que nous-mêmes, grâce à Dieu, nous vivons. En demandant, bon Dieu, faveur ça, ce Marc Frémio. Dans le moment du doute, non, yo. Dans le moment du tâtonnement, non, yo. Dans le moment de trouble, non, yo. Il devrait être branché sous parole.
et de nous faire des amis paroles. Jean-Claude David dit dans une psaume, grand-mère, serrer parole loi dans le cœur, moi, pour que moi rumine de temps en temps. Si tu as besoin de développer une amitié solide avec bon Dieu, on aurait été collé sous parole. Et demander Jésus à travers la messe sabbatéenne la grâce pour l'aider à découvrir parole. La grâce pour l'ouvrir intelligence, non, l'ouvrir compréhension à ça qu'il dit dans la parole. Puisque c'est à travers la parole, bon Dieu, pour qu'on Jésus qui laisse lier tout bon vrai. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Tu y as béni, tu y es le Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, nous te le présentons. Sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père au Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous offrons pour te rendre grâce. À toi qui fais renaître les enfants par le baptême et qui t'empresse de soutenir ton Église par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Donnons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste.
Il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Lady Sunceli et Terra, Gloria Tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Benedictus qui veni, Benedictus qui veni, in nomine Domini, in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Max, le roi Mésidore, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, nous te prions spécialement pour toutes les personnes pour lesquelles cette messe est recommandée. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus-Christ, où ton bon Dieu, qui ouait tes péchés sous terre, t'en prie pitié pour nous. Jésus-Christ, mon ton bon Dieu, qui ouait tes péchés sous terre, t'en prie pitié pour nous. Jésus-Christ, mon ton bon Dieu, qui ouait tes péchés sous terre, apprends-nous vivre ensemble, apprends-nous bien vivre ensemble, apprends-nous bien vivre ensemble, apprends-nous bien vivre ensemble, apprends-nous bien vivre Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Voici le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Tu me dresses sur le table, Seigneur. Tu me verses du parfum sur la tête. Les bienfaits de ta bonté m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je suis le pain. Une table, Seigneur, tu me verses du parfum sur la terre. Les bienfaits de ta bonté m'accompagneront tous les jours de ma vie. De ton ami, tu auras la vie éternelle. Tu me dresses une table, Seigneur. Tu me verses du parfum sur la terre. Les bienfaits de ta bonté m'accompagneront tous les jours de ma Seigneur, à chaque merci.
grâce. Merci pour des milliers d'oiseaux qui chantent. De mon cœur, Seigneur, a jailli le merci. Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui vénèrent et glorifie particulièrement ma miséricorde et plonge-les en elle. Ces âmes-là ont le plus partagé les souffrances de ma passion. Ce sont elles qui ont pénétré le plan profondément en mon âme. Elles sont le vivant reflet de mon cœur compatissant. Ces âmes brilleront d'un éclat particulier dans la vie future. Aucune n'ira en enfer. Je défendrai chacune d'elles en particulier à l'heure de la mort. Très miséricordieux Jésus, dont le cœur n'est qu'amour, recevez dans la demeure de votre cœur très compatissant les âmes qui vénèrent et glorifient, plus particulièrement l'immensité de votre miséricorde. Dotées de la puissance même de Dieu, elles avancent confiantes en votre miséricorde au milieu de tous les tourments et contrariétés. Ces âmes sont unies à Jésus et portent le poids de l'humanité entière sur leurs épaules. Elles ne seront pas jugées sévèrement, mais votre miséricorde les protégera au moment de l'agonie. L'âme qui célèbre la bonté du Seigneur est de lui tout particulièrement chérie. Près de la source de vie, elle a trouvé demeure, épuise mille grâces en la miséricorde de Dieu.
Père éternel, daignez jeter un regard de miséricorde sur les âmes qui célèbrent et vénèrent votre plus grand attribut, votre infini miséricorde. Enfermé dans le cœur très compatissant de Jésus, elles sont un vivant évangile. Leurs mains sont pleines d'actes de miséricorde. Comblées de joie, elles chantent l'hymne de la miséricorde du Très-Haut. Je vous en supplie, manifestez-leur votre miséricorde selon l'espoir et la confiance qu'elles ont mis en vous. Que s'accomplisse en elles la promesse de Jésus qui a dit « Je défendrai leur vie devant comme ma propre gloire. » Les âmes qui vénéreront mon infini miséricorde, je les défendrai tout particulièrement à l'heure de la mort. Amen. Amen. Matéan, il y a un privilège pour nous souhaiter bonne fête à Clifford Gédéon, Evelyne Simoté, Fendi Boisvert, Marie-Mégane Janira Jovin, Frida Désir, Jacques Thiers Malette, Huguemps Bien-Aimé et Suzy Toussaint. La pandémie a chanté pour gratifier mon salaire d'un bon petit chant dans l'occasion fête. Mon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur, que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'infini nous soyons tous réunis pour chanter un cœur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bon travail et bonne journée à vous tous. Merci mon père, pardon. Jésus-Christ le fait, Jésus-Christ ressuscité, dit pas m'chant, mourir encore, mais Jésus le fait, lui avec nous encore, c'est de l'amalie, nous tous, baptisé, Jésus-Christ le fait, Jésus-Christ ressuscité, vivant chaud, mourir.